بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله أحق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساهرون به والأرهم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطه لها ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن استقل الحديث كتاب الله سبحانه وتعالى وخير هذه هذه محمد صلى الله عليه وسلم والشرار مهم محدثاتها وكل محدثة بدعة On se retrouve pour le cours numéro 2 du guide complet pour le nouveau musulman. On reprend en page 14, chapitre 1. Vous avez vu l'introduction au cours dernier la préface. Chapitre 1, les actes sont jugés selon les, les intentions. Donc, euh, comme euh, c'est connu, Fiddin, la religion s'axe sur deux choses, du moins les œuvres. Euh, L'agrément euh, des œuvres se, se situe et se jauge sur deux points connus dans deux hadiths. Un hadith euh, qui a été euh, rapporté par al dans un premier temps, ce qu'on va voir ici, et un autre, qui sera peut-être cité plus loin, qui est rapporté par Aisha. Le premier hadith, c'est autour de la sincérité, al-Ikhlas. La sincérité et donc l'intention. Et le second, qui ne sera pas mentionné ici dans ce chapitre, le hadith de Aisha, radhiyallahu anha, autour de la conformité. Pour qu'une action soit valide, agréée par Allah en islam. Il faut qu'elle soit sincèrement faite pour Allah, donc l'intention purifiée pour Allah et nul autre. Et deuxièmement, il faut qu'elle soit légiférée, cette action-là. Hein? Il faut qu'elle soit conforme à l'ordre d'Allah. Al-Ikhlas, la sincérité, ou al-Mutaba'a, la conformité. Donc là, dans ce chapitre, chapitre 1, les actes sont jugés selon les intentions. On va parler justement de la sincérité. Et c'est ce hadith rapporté par Oman al khattab radiallahu anhu qui est authentifié par Al-Bukhari « Les actions ne valent que par leurs intentions et une personne n'aura que ce qu'elle a eu comme intention. » C'est-à-dire n'aura de récompense que ce qu'elle a eu comme intention. « Celui qui donc accomplit l'émigration pour Allah et son prophète, alors son émigration est pour Allah et son prophète. Celui qui émigre, qui part d'une terre de Kufr pour aller vers une terre d'Islam, pour la face d'Allah, il aura sa récompense. » Dans ce sens-là, par rapport à son intention. Et celui, c'est la suite du hadith, et celui dont la migration est pour obtenir quelque chose de la vie d'ici-bas, ou pour épouser une femme, alors sa migration est pour ce quoi il a immigré. Ce n'est pas interdit de partir pour obtenir quelque chose de la vie d'ici-bas, pour du business par exemple, ou pour s'installer parce qu'on aime le climat, etc. Ou pour épouser une femme, ce n'est pas interdit en soi. Mais si ce n'a pas été à la base fait pour se rapprocher d'Allah, alors cette émigration, cette éjra, euh, sera pourquoi euh, la personne aura émigré. Voilà, il n'y aura pas de récompense particulière pour cette personne-là, puisque son intention n'était pas de se rapprocher d'Allah. Et ça, c'est valable dans toutes choses, bien évidemment, on le sait, dans les adorations, il faut qu'elles soient vouées à Allah seul, et on peut associer à Allah euh, dans une adoration si, voilà, on la à autre que lui. Mais dans les actions de Dounia, dans les choses connues de Dounia, et ça, c'est assez méconnu des gens. Il faut savoir qu'on peut se rapprocher d'Allah par une action, moubah, licite. Par exemple, là, cette, cette chose-là, l'émigration. Partir, voyager. Si tu le fais pour te rapprocher d'Allah, alors ça devient une adoration. De la, bien que l'émigration soit comptée comme adoration, dans la mesure où on part d'une terre de couf pour aller vers une terre d'islam, bien sûr. Mais de manière générale, dans les choses licites et connues de Dunya, par exemple, le sommeil peut devenir une adoration si tu dis que tu vas te reposer, et tu penses que tu vas te reposer, et tu mets l'intention de te reposer pour ensuite avoir plus d'énergie pour adorer Allah. De même que faire du sport, hein, euh, ou partir, par exemple, acheter de la nourriture. Tu pars acheter de la nourriture, jusque-là, une chose de Dunya. Ce n'est pas une adoration. En soi, les gens ne voient pas cela comme une adoration, comme prier, comme jeûner, comme donner une aumône. Non, je pars faire une course. Mais tu pars faire une course, par exemple, dans l'intention de te rapprocher d'Allah, parce qu'avec ces courses-là, tu vas faire sadaqa. Ou bien alors, c'est pour nourrir ta famille. Et on sait, c'est une lutte de partir comme ça pour aller nourrir sa famille, qui est une amana, c'est une responsabilité qu'Allah a confiée au berger, à l'homme. Voilà, des choses comme cela. Des choses qui sont parmi les choses de dunya. Si on met la bonne intention de plaire à Allah à travers cette chose-là, eh bien, on aura la récompense proportionnelle. Donc les actes sont jugés selon les intentions. Les actes, les actions sont jugées selon leurs intentions. C'est-à-dire que si la personne agit en pensant se rapprocher d'Allah pour plaire à Allah, elle aura sa récompense par rapport à cela. Et si elle ne met pas l'intention de, si elle ne met pas l'intention de, bien soit elle ne sera pas rétribuée si c'est une chose de dunya, pas spécifiquement, elle a juste fait son action, ou alors même elle peut associer à Allah, si c'était dans le cadre du culte. De l'adoration, et là, l'avouer à autre qu'Allah. Attention à l'ambiguïté, les actes sont jugés selon les intentions, les gens torturent cette parole-là, enfin, nul ne connaît les intentions, ce qui compte, c'est la niya, pour faire du haram. Et ils disent, les actes sont jugés selon leurs intentions. C'est-à-dire que les gens se permettent de faire du haram, et ça, on l'a dit, dit, dit et redit déjà dans d'autres cours, mais j'aime à le redire ici, les gens se permettent de faire du haram en disant, euh, tu ne connais pas mon cœur. C'est l'intention qui compte. Les actes sont jugés selon les intentions. Et j'avais une bonne intention. Mais on ne peut pas avoir une bonne intention et se rapprocher d'Allah en faisant du haram. Ça n'a aucun sens. Hein Par exemple, des gens vont dire je, je parle à cette femme ou la femme dire je parle à cet homme ou je suis avec lui, etc. Ou avec elle, mais avec la bonne intention euh, d'aboutir de, 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 sur un mariage. Il n'y a pas. On ne bâtit pas quelque chose de, de bon avec une baraka dans le licite en ayant commencé dans le haram. Hein on ne peut pas avoir une bonne intention en faisant du haram. Ça, c'est une parole qu'il faut rejeter. Peut-être une chose que, en tant que nouveau musulman, vous avez déjà entendue ou que vous-même vous avez comme croyance. Ça, c'est une croyance erronée, il faut tirer un trait dessus. Hein la bonne intention, c'est bien, mais il faut que l'action soit légiférée, comme on l'a dit au tout début. Elle est khlas, la sincérité, elle est la conformité. Tu n'es pas en conformité avec le dîme lorsque tu fais du haram. Donc, même si, soit, disant, tu aurais une bonne intention, et je fais cette chose-là, c'est haram, mais j'ai une bonne intention. Non. On entend beaucoup les gens qui disent ça. Hein Mon cœur est bon, ils se, ils se font, euh, ils se font des, des tasquillettes tout seuls. C'est-à-dire qu'ils se recommandent eux-mêmes et ils jugent de la pureté de leur cœur. Déjà, c'est très prétentieux. Et, euh, et on voit que ça n'a aucun sens. Hein. Mon cœur est blanc, mon cœur est bon. Je suis nia, comme on entend beaucoup. Je suis nia, je suis bon. Euh, je sais que cette chose-là n'est pas n'est pas licite. Mais ce qui compte, c'est l'intention. Allah connaît mieux mon cœur. Ça n'a pas de sens. Cette parole-là, ça n'a pas de sens. Elle est employée par les, les laxistes, les murgia, voilà les gens qui euh, ne pratiquent pas le dîn au final, ne veulent pas se conformer à dîn, mais cherchent à se donner bonne conscience pour eux-mêmes. J'ai bien dit eux-mêmes, parce que leurs actions ne le sont pas. Pour eux-mêmes, légiférer leurs actions. Pour dire que cette chose-là, oui, bon, ça, ça reste correct. Non, c'est pas correct. Mais vous savez comment est l'âme Suivi des passions. Et au-delà du suivi des passions, il y a deux catégories de gens. Il y a ceux qui suivent leurs passions et qui disent hey, « Malheureusement, je suis impatient astaghfirullah, qu'Allah me guide. Je sais que c'est haram, mais je n'ai aucune excuse. » Ça, c'est la catégorie euh, parmi les pêcheurs. Les meilleurs des gens, ce sont eux. Ce sont les gens qui reconnaissent les choses. On espère pour eux. Puis il ceux qui, en plus de suivre leur passion, ben, cherchent à se donner bonne conscience. Et je suis Nia, et je suis ceci, je suis cela. Ce n'est pas si grave. Là, c'est terrible. Là, c'est plus difficile, plus difficile pour se dépêtrer de cette chose-là. Allah nous, nous, guide. Donc les actes sont jugés selon leurs intentions. Et j'ai expliqué euh, qu'est-ce qu'il en est. Le Shir, il dit, il commente, Cher musulman. plutôt le Shir. Ce qui est rapporté, et c'est le frère qui a compilé cela. Euh, C'est le frère qui a écrit cela. Chers musulmans, beaucoup de savants de l'Islam commencent leur livre avec ce Hadith. C'est vrai. Il est rapporté notamment dans les 40, on dit les 40, mais les 42 Hadiths de Nawawi, notamment celui que je vous ai cité ensuite, hein, celui qui concerne la conformité. Mais le Hadith des intentions sur la sincérité, il est cité effectivement par beaucoup de savants dans leurs livre. Donc beaucoup de savants de l'Islam commencent leur livre avec ce Hadith remarquable, bien que l'on puisse extraire de nombreuses leçons bénéfiques de ce Hadith. L'une des plus importantes est qu'une personne doit rectifier son intention pour chacune de ses actions. cest dire que tu agis, mais cherche à plaire à Allah. Vise la face d'Allah à travers ton action. Et ça fera toute la différence. Ibn Rajab, rahmahullah, commenta à propos du hadith mentionné ci-dessus donc. Les savants sont en accord sur son authenticité et euh, l'ont accepté pleinement. C'est-à-dire qu'il est authentique. Imam Bukhari commença avec son sahir, euh, avec ce hadith, et il en fit son introduction. Ceci fut une, remarquable, une remarque, pardon. Ceci fut une remarque subtile de sa part pour indiquer que chaque action qui est commise par une personne sans rechercher par cela le visage d'Allah est nulle et sans intérêt dans cette vie et dans l'au-delà. C'est-à-dire que si tu agis sans chercher la face d'Allah, dans cette vie déjà ça ne t'apportera aucun bien, aucun fruit, aucune baraka. Que dire dans l'au-delà Tu n'auras rien, pas un atome, pas une poussière de ton action, fût-elle bonne Alors Que dire d'une action haram comme je l'ai dit, ça n'a aucun sens, mais fût-elle bonne action tu n'en auras aucune part dans l'au-delà. Puisqu'on puisqu sait, dans l'au-delà, sera rétribué en bien celui qui uniquement aura cherché la face d'Allah à travers son action dans cette vie. On est d'accord Une personne même qui accumule le bien, énormément de bien, et on le sait, c'est jugé comme une bonne action. Nourrir des pauvres, aider des gens, soigner, de ce que vous voulez. Hein Être médecin dans l'humanitaire, de ce que vous voulez, donner de l'argent, de énormément d'actions qui sont reconnues comme bonnes par l'humanité entière et même par les musulmans. Connues même comme bonnes en islam. Mais la personne qui n'aura pas cherché la face d'Allah n'en aura aucune part dans l'au-delà. Eh oui. Et c'est pour, pour cela qu'on dit que seuls les musulmans seront rétribués en bien par Allah dans l'au-delà. En vérité, les chrétiens, les athées, les bouddhistes, les ceux que vous voulez, même s'ils ont agi en bien, même s'ils ont fait du bien et que ce bien est reconnu comme tel, alors Allah n'est pas injuste envers eux. Ils seront rétribués en bien à la mesure de leurs efforts dans cette vie. Allah leur donnera, euh, par exemple, une santé ou des richesses ou des choses comme ça ou un certain confort. Mais ils n'auront aucune part dans l'au-delà. Pour avoir une part dans l'au-delà, il a fallu ici-bas, au préalable, en amont, viser la face d'Allah Azzawajal. Être sincère dans le culte, l'adorer seul et sans associer, c'est-à-dire lui vouer euh, l'action. L'action, c'est pour plaire à Allah. Et je suis sur le monothéisme pur lorsque j'agis, lorsque je fais cette bonne action-là. C'est clair C'est pour ça qu'on dit que les œuvres des, des kofars, en fait, des mécréants, quels qu'ils soient, ceux qui ne sont pas musulmans, sont vouées à la poussière. Quand bien même une personne aurait énormément œuvré, c'est-à-dire que le musulman, peut-être, il aura avancé que quelques actions. Mais elles auraient été sincèrement faites pour Allah, et il peut être sauvé par rapport à cela. Et un autre, un chrétien par exemple, il aura agi, il aura voué toute son existence pour les autres, par exemple, pour faire le bien, pour ci ou pour ça. Mais écoutez ce que j'ai dit, hein ça a son importance. Il a fait cela pour les gens, pour les autres. Pour les autres, pour faire plaisir aux gens, ou pour qu'on dise de lui qu'il était comme si, ou pour. Peu importe la raison, peu importe le motif en vérité. Si l'action n'a pas été faite et vouée à Allah, c'est poussière. C'est poussière. Ce sera des regrets, Yom voilà Cette personne, effectivement, a donné de son temps, de son énergie, etc., mais elle n'a pas visé le Créateur à travers son action, et, euh, et ceci fera que son action, ses actions, seront un tas de poussière, un gâchis. Voilà. Alors nous le dit ça dans le Coran. Donc voilà, celui qui euh, agit sans rechercher pas cela le visage d'Allah, son action est nulle et sans intérêt dans cette vie comme dans l'au-delà. Par conséquent, dans chaque acte d'adoration que tu accomplis, ô toi le musulman, que ce soit l'apprentissage de la religion ou l'enseignement comme je fais ici et comme vous vous écoutez le cours, eh bien que que tu saches que tu dois apprendre ou transmettre pour te rapprocher de ton Seigneur, hein. Chaque acte d'adoration que tu accomplis, que ce soit l'apprentissage de la religion pour se rapprocher d'Allah, la prière, le jeûne ou autre encore, eh bien, mets ton intention uniquement et sincèrement pour sa cause seule, sa cause, la cause d'Allah, désirant obtenir la grande récompense qu'il a préparée pour les croyants de l'au-delà. Mais on peut aussi viser une récompense ici-bas, je le rajoute moi. Tu peux agir, jeûner, prier, donner, enseigner, apprendre, pour espérer. Des ni'am, c'est-à-dire des bienfaits dans cette vie. Tu mets l'intention qu'Allah te rétribue, te récompense pour avoir des choses de cette dounia Ce n'est pas illicite, au contraire. Ça fait partie de l'adoration. Tu cherches à obtenir ta part de dounia être à l'aise, être heureux, être épanoui à travers ta bonne action. Il n'y a pas de mal à cela. Mais ils disent non, c'est pas bien, il faut chercher que l'au-delà. Tu cherches l'au-delà, tu peux combiner les deux. Tu demandes qu'Allah t'accorde une bonne part ici-bas et dans l'au-delà, qu'il te facilite. Fais dunya wal il n'y a pas de mal. Mais la plus grande des récompenses, effectivement, préparée pour les croyants, se situe dans l'au-delà. C'est la grande récompense. On dit dans cette dounia, il peut y avoir des récompenses, des niam, des bienfaits, mais c'est imparfait. Et c'est que dounia. La grande récompense, on la vise pour après. C'est celle-là, la grande récompense. Même si tu aurais les milliards ici-bas sur Terre, ce n'est pas ça la grande récompense. Ce ne sont que des miettes de dounia en vérité. Mais on peut les désirer. On peut les désirer, effectivement, à travers l'adoration. On pourrait dire, ben non, c'est du cirque Tu cherches la dounia, tu cherches l'intérêt mondain à travers ton adoration. La tu cherches à ce qu'Allah te récompense. C'est Allah qui te donne... Tu vises Allah en vérité. C'est pas, tu vises... Il y a une différence entre viser le mondain directement, viser l'agrément des gens, ou viser le monde indirectement à travers l'adoration, et ça c'est très grave, et viser l'agrément d'Allah et de cela qu'Allah t'accorde la subsistance. C'est complètement différent. C'est attentif. C'est complètement différent. C'est deux choses bien distinctes. Hein? Celui qui cherche les gens où le mondain, il agit, mais il n'est pas sincère vis-à-vis d'Allah. C'est directement pour obtenir quelque chose. Alors il va, il va se convertir sa prière ou il va euh, faire des cours, bon, on va pas faire de polémiques ici, mais il va faire des cours payants, par exemple. On nous dit aujourd'hui, bon, on hein, pourrait faire des débats polémiques. Certains vont dire, c'est permis quand même de se faire payer pour enseigner. J'ai un gros souci avec ça, de commencer à faire le cours et dire, bon, vous avez tous payé votre cotisation, donnez-moi de l'argent. La frontière est mince entre je fais ça pour l'argent et je fais ça pour la face d'Allah. C'est très complexe. Hein. Moi, je ne m'y risquerai pas de dire j'entame un cours et vous avez tous payé, c'est bon, payez-moi, je fais le cours. Mais tu fais ça, je me dirais, oh, mon nef, c'est Oqassim, oh, tu fais ça pour l'argent parce que les gens sont, sont euh, 30, 40 et ils donnent tous 30 euros, donc ça fait une somme. si Tu fais ça pour avoir ton salaire ou tu fais ça réellement pour te rapprocher d'Allah, adoucir ta poitrine et aider les musulmans à comprendre leur religion, donc en fait, si tu vises la face d'Allah. Je me poserai réellement la question, c'est très complexe, cette chose-là. D'accord de même que celui qui va il va prier, mais est-ce qu'il embellit sa prière pour plaire à Allah Parce qu'Allah aime une prière embellie, n'est-ce pas ouais. Ou est-ce que tu pries pour qu'on dise de toi, oh, ma chère Allah, quelle prière hein, Quand il prie, c'est. Puis quelle récitation, quelle grâce Non hein Là, c'est viser l'agrément des gens directement, ou, ou viser l'intérêt mondain directement à travers une adoration. Et ça, c'est shirk. Ça, ça peut être du shirk mineur ou majeur, selon certains cas. On verra quand on détaillera les formes de shirk. C'est une association, c'est très grave, c'est le plus grand péché, d'accord Ça c'est un, c'est le cas un, ce qu'il ne faut surtout pas faire. Maintenant, viser sincèrement la face d'Allah à travers un jeûne, à travers une aumône, à travers euh, l'enseignement, l'apprentissage, mais pour qu'Allah il te guérisse, pour qu'Allah il te donne une subsistance, pour qu'Allah il te facilite, pour qu'Allah il te facilite le zawaj par exemple, il n'y a aucun mal, c'est une adoration. Tu vises ton Seigneur, mais tu espères la récompense. Dans ce cas, on espère la récompense du paradis, hein quand elle nous accorde jannah faire danser à dites amin pour nous tous bien sûr mais dans ce cas-là ça aussi c'est un intérêt oui de l'au-delà mais c'est un intérêt j'ai toujours dit le musulman il n'agit pas euh, par pur altruisme en vérité quand il vise Allah oui il cherche la face d'Allah mais c'est pour son propre compte c'est pour se sauver c'est pour obtenir il cherche l'agrément de son seigneur pour être bien le musulman en vérité il est intéressé mais dans le sens où il ne vise pas directement la dounia ou les gens il cherche la face d'Allah pour qu'Allah le rétribue. Il espère la récompense. Il cherche à satisfaire son Seigneur. Effectivement, il cherche l'agrément de son Seigneur, mais pas sans but, pas juste pour que Allah soit satisfait de lui, et simplement et non. C'est qu'il désire obtenir la grande récompense qu'Allah prépare aux croyants fidèles dans l'au-delà. Comprenez bien les choses. On agit, on agit, on agit. On fait le repentir, on fait des, des œuvres, etc. On prie, on jeûne, Nam. Na hein, tout ça. On fait le Hajj, on fait hein, l'émigration, comme on l'a dit ici. Et pourquoi? Pour obtenir quelque chose. Oui, l'agrément d'Allah, mais qui découle sur quoi Le paradis éternel. Donc, c'est ce qu'on vise. Il y a un intérêt qui passe au préalable par l'agrément d'Allah. C'est aussi valable pour les choses de Dunya. Tu peux espérer être bien dans ta Dunya et qu'Allah t'élargisse les choses dans cette Dunya-là à travers tes adorations. Mais tu dois absolument, non pas viser l'objectif de Dunya directement, mais viser, et j'insiste, mais c'est important, viser la face d'Allah. Et ça fait toute la différence. Hein. Celui qui cherche la face d'Allah à travers ses œuvres, Allah le facilitera dans cette dunya. Et nous le dit Allah. C est, c est. Celui qui se conforme à son rappel, qui suit sa voie, Allah il va lui faciliter les choses. Ça nous a été mentionné. C'est bien dans le Coran que dans les hadiths. Tandis que celui qui s'écarte de son rappel mènera certes une vie pleine de gênes. Celui qui s'écarte d'In va vivre dans la gêne. Ici-bas, que dire de l'au-delà Que dire dans l'au-delà et celui qui se conforme à Din, Allah lui facilitera déjà dans cette dunya de diverses manières, dans toutes les, les choses de sa vie, dans tous les aspects, sa subsistance, son état, sa santé, sa famille. Allah va lui rassembler ses affaires, lui faciliter. C'est bien preuve hein, en est, qu'en se conformant à l'ordre d'Allah, on obtient aussi les, les choses de dunya, les récompenses de dunya. Wa Voilà ce que je pourrais dire sur ce chapitre à 1 concernant les actions jugées selon leurs intentions. Wa Allahu ala A'lam » Ça, c'est le 1. Chapitre 2. nous parle ici de l'obligation de rechercher la science. Alors oui, rechercher la science, ce qu'on appelle dans les bil'im, l'apprentissage de la science, l'étude de la science, appelez ça comme vous voulez, la recherche de science, l'apprentissage, comme, comme vous le voulez. Cette quête de science-là, elle est obligatoire. Ce n'est pas une option. C'est obligatoire pour chaque musulman et chaque musulmane. Bien sûr euh, ça concerne les bases et les fondements. Il y a des sciences qui sont annexes, qui sont plus complexes et plus détaillées, qui sont réservées aux étudiants, voire aux grands étudiants ou aux savants, grands savants. Des choses même que des savants ignorent. Il y a des savants qui sont spécialisés dans tel et tel et tel domaine. Les savants spécialisés dans la raqida, dans le ferc dans le Si, dans les sa. Euh, les savants ne connaissent pas tout. Tu prends un savant, t'en prends un, comme ça, tu tires un savant de la sonna du lot. Il ne connaît pas tout de la science. Il connaît énormément de choses, effectivement, mais il ne connaît pas tout, tout, tout. C'est impossible. Et le savoir parfait et absolu appartient à Larazogel. Bien que des savants, effectivement, aient accumulé énormément de sciences et se, se rapprochent, en tout cas, d'une, d'une, je dirais, d'une montagne. C'est pour ça qu'on les appelle les montagnes de science. Hein? Évidemment mais ils ne savent pas tout, ils ignorent certaines choses. Donc quand on dit rechercher la science, c'est d'abord se précipiter en tant que musulman de la base, dans ce qu'on appelle les awam. Les awam et le singulier c'est les ami. Un ami des awam, c'est les musulmans de la masse, c'est comme nous tous. Tout simplement. Après il y a le, le petit étudiant, l'étudiant, le grand étudiant en fonction de comment les gens poussent dans la quête de science. Mais de base, nous sommes tous des musulmans de la masse et celui qui se tourne vers la science, plus approfondie, commencera à rentrer dans la sphère des toulab cest c'est-à-dire des étudiants en sciences, tout simplement. Voilà. En fonction de ce qu'on apprend, plus on a de connaissances, en fonction des sujets. Mais la base des bases, c'est que la recherche de la science est une obligation pour chaque musulman, et c'est ce que dit le message d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith qui est rapporté par Ibn Majah dans ce Sunan, et qui a été déclaré euh, sahir par Shirel al-Bani. Donc, c'est une obligation. Hein. La recherche de la science, écoutez bien ce que dit le prophète, la recherche de la science est une obligation pour chaque musulman. Il fait référence ici, ici, alayhi wa à la recherche de sciences fondamentales, je dirais. Les bases. Les bases de la religion. Les bases du Tawhid, les bases de la sunna, les bases dans le fiqh. Comment unifier Allah Comment prier Enfin, comment faire ses ablutions avant ça Comment prier Comment jeûner Comment faire le Hajj Les choses qui, qui te sont nécessaires, utiles, vitales pour pratiquer ton dîme, que tu n'as pas le droit d'ignorer. C'est un péché ce qui c'est une obligation, c'est wajib de rechercher la science. C'est un péché de délaisser cela, c'est-à-dire les fondements de la religion. Maintenant, les matières annexes, comme j'ai dit, euh, les choses plus complexes, plus détaillées, ça c'est en fonction de chacun. Les étudiants connaissent certaines, comme j'ai dit, les savants connaissent une grande partie. Euh, voilà. Et si un savant ignore une chose, un autre savant euh, en, en, en aura cette science-là sur cette affaire. Voilà. Et il y a des choses euh, qui reviennent aux savants. Et puis ensuite, quand le musulman a besoin d'une certaine information sur un tel sujet, il questionne justement un étudiant ou un savant pour avoir la réponse. Mais il n'est pas blâmé pour cela. Le musulman n'est pas tenu de tout savoir, comprenez-le bien. Sinon, ce serait une charge trop lourde et on aurait la pression. Et cette série de cours, guide complet pour le nouveau musulman, elle n'est pas ici pour faire peur. Je cherche pas à faire peur et à dire, regardez la grande charge qui pèse sur vos épaules. Attention, la science est obligatoire. Si vous ne connaissez pas toute la religion, vous êtes des pêcheurs d'années. Absolument pas. Eh ben, je ne dis pas ça. Je parle ici des fondements. Les fondamentaux de la religion, là, oui, je le dis. Et il faut mettre la pression sur cette chose-là. Vous devez vous atteler à chercher la science. C'est invraisemblable qu'un musulman soit dans Dine, qu'il soit converti ou qu'il soit dans l'islam, entre guillemets, hein. s'il n'apprend pas sa religion. On peut se poser des questions sur son islam, mais qu'il soit, entre guillemets, un musulman, je dirais, de, de, de naissance, de culture, de tradition, c'est invraisemblable, quel que soit le cas de la personne, euh, voilà, qu'elle ait des racines musulmanes ou non, qu'elle ait passé 10, 20, 30 ans dans l'islam et qu'elle n'ait pas encore appris les fondements. C'est invraisemblable, ce n'est pas normal. Tu as des gens encore aujourd'hui, après 10, 15, 20 ans de dînes, soi-disant, ils ne font toujours pas correctement les ablutions. Ils ont des grandes carences dans le taouïd. Ils prient d'une mauvaise manière. Ils prononcent des paroles de couffre, de chir, ce n'est pas normal. Ils ont zappé cette obligation de rechercher la science, ils ont agi sans science. Et ça, c'est grave. Ils, ils doivent, ils, ils auraient dû le faire, ils auraient dû le faire, et ils doivent maintenant, s'ils écoutent cela, se tourner vers l'apprentissage de la science basique. Au moins cette chose-là, sans dire après, continuer et approfondir des, des sujets. D'accord Et ça, c'est dès que le musulman, il est moukallaf, c'est-à-dire pubère. Dès qu'il est en âge de... Euh, après, s'il peut apprendre avant et que les parents lui enseignent, alhamdoulilah, c'est une bonne chose. Mais l'obligation de rechercher la science, c'est comme l'obligation de prier, en fait. C'est la même chose. C'est une obligation, c'est wajib. Mais ça, ça devient wajib à partir du moment où l'homme ou la femme est pubère. Tout simplement. Jusqu'à sa mort. La personne doit apprendre ce qui lui permettra de pratiquer son dîme. Et si elle a une ignorance sur un sujet, elle questionne plus avant qu'elle, bien évidemment. Voilà. Donc voilà pour cette obligation. Sophia de Théorie, il dit c'est cette science euh, celle pour laquelle le serviteur ne peut être excusé de son ignorance. Voilà. Le serviteur, le musulman, sera excusé pour ce qu'il ne sait pas de la science, je le dis dans les grandes affaires, dans les affaires plus détaillées. On ne peut pas tout savoir. Ce n'est pas un péché. Mais il y a une science pour laquelle le serviteur ne sera pas excusé de son ignorance. Le shirk, le koufre, le halal, le haram, les ablutions, la prière, les règles du jeûne. Non Tu n'es pas excusé pour cela, c'est basique Revenir pour cela, notamment en cette série de cours, mais aussi, j'ai pu faire, par le passé, une série de cours, en six cours, je crois, qui s'intitulait Leçons importantes à l'ensemble de la communauté. C'est une petite épître de Shiribnubaz, Rahman Ta'ala. Voilà. C'est d'ailleurs le prochain texte ici cité dans le chapitre 2, c'est de Shiribnubaz. Voilà. Il y a des choses que tout musulman, je répète, et toute musulmane, doivent absolument connaître. Et l'ignorance est péché dans ce contexte. Sous aucun prétexte, il n'est permis d'ignorer ces choses-là. Vous savez, les coffres, ils ont une phrase qui est par rapport à leur loi. Ils disent Nul n'est censé ignorer la loi. Hein, tu te fais attraper par la police pour telle et telle affaire. Tu te dis Ah je ne savais pas. Nul n'est censé ignorer la loi. Tu te dois d'apprendre certaines choses concernant les règles du pays dans lequel tu vis. Vous connaissez cette phrase-là sûrement Nul n'est censé ignorer la loi. Ben de même, nul n'est censé ignorer les fondamentaux fit-in. Ah mais j'ai pas pu, non c'est pas vrai. Le seul ou la seule personne qui pourrait être excusée, c'est une personne qui a été dans, dans un contexte où elle a été complètement et totalement privée de science. Pas de connexion Internet, pas de livre, pas de personne pour lui apprendre, rien Welou. Comment La science, elle vient pas du ciel. <laughs> On le sait. Elle ne descend pas comme ça avec les gouttes de pluie. Elle, elle, elle nécessite une cause. Jibril ne, ne descend pas à la révélation sur les gens. Il s'arrêtait avec le prophète Solore et Selem. D'accord Donc on ne peut pas, quand je dis elle descend pas du ciel, hein, pour dire elle ne vient pas comme cela. Il faut faire une, une cause. On doit aller la chercher. Une personne qui n'a pas pu aller la chercher et qui aurait fait des actes et euh, un ni ou des péchés ou des choses comme ça. Est-ce qu'elle est excusée pour son ignorance Bien sûr. Alors est miséricordieux. La personne ne peut pas être ici chargée au-delà de sa capacité. Mais une personne, comme on est dans ce contexte-là aujourd'hui, elle a internet, l'accès à la mosquée, elle peut acheter des livres ou en emprunter, elle a des connaissances parmi les musulmans autour d'elle. Mais elle ignore encore certaines choses. Non, c'est du laxisme. Une personne qui procrastine, qui ne veut pas apprendre. Il y en a, même parmi les jeunes, qui connaissent tout du rap, tout du football, tout de l'actualité des... Comment ils appellent ça, là, les pseudo-stars de la télé-réalité et compagnie et ceci et cela. Et vous savez bien que les réseaux sociaux et tout. On connaît tout, surtout. Et les actualités aussi, attention. Hein. L'actualité dans tel pays et tout ça, ils connaissent tout. Les jeunes, ils s'intéressent à énormément de choses qui ne servent strictement à rien, voire même qui bousillent le cœur. Mais tu leur demandes des choses sur les fondements de la religion, pff, ils savent pas. Ils disent Ah, c'est trop compliqué. Non, c'est pas trop compliqué. Il suffit d'ouvrir un livre, ou ne serait-ce que voilà, de se pencher sur cette série de cours-là sur cette petite épître, hein, c'est pas un livre, on l'a dit, euh, au premier cours qui est, qui est très long, avec ce livre-là, tu en sais suffisamment pour commencer à pratiquer ta religion. C'est un bon départ. Mais encore faut-il le vouloir, le faire, prendre le temps voilà, d'écouter des cours. Il n'y a pas de secret, je il n'y a pas de magie. Magie, c'est haram, c'est cirque, hein <laughs> c'est sorcellerie. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de secret non plus. Comment acquérir de la science Cahier, stylo, livre, d'olos. C'est-à-dire audio. Si on peut se rapprocher d'un étudiant ou d'un savant en face-à-face, alhamdulillah, c'est encore mieux pour apprendre et pour comprendre et poser des questions. Et c'est c'est beaucoup plus fluide. Mais si on n'a pas l'occasion, la possibilité, et eh bien, on achète des livres, on les emprunte, on stabilote, on note, on pose des questions si on n'a pas compris un passage. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de magie. Et il y a des cours qui sont disponibles gratuitement, comme la série de cours qu'on met ici en ligne, alhamdulillah. Eh bien, il suffit d'écouter, de prendre aussi des notes. Il n'y a pas de secret. Et ça, le travail ne peut être fait par personne d'autre que vous. Voilà. Beaucoup de gens, et je l'ai déjà dit dans d'autres séries de cours, je me, je rabâche les choses, mais c'est important. Quand je dis d'autres séries de cours, c'est des cours qui datent même. Hein. Beaucoup de gens, cours 1, ils l'écoutent. Cours 2, il y a moins de monde. Et ensuite, cours 3, cours 4, on voit qui est assidu. Quand on est au cours 36, qui est encore là Il y a des gens, ils sont là du cours 1 au cours 36. Ce sont des étudiants en sciences. Voilà. Et ne vous étonnez pas, eux, ils auront une science. Voilà. Ils vont connaître les affaires du, du point A au point B, ils auront les tenants, les aboutissants. Et ce sont des gens à qui il a de la facilité, la quête de science. Il y en a, ils écoutent un petit darts par-ci par-là sur un sujet peut-être qui les intéresserait. Mais dès qu'on commence à rentrer dans les règles, les cours, les ci, et les ça, cours 1, peut-être il y a du monde, cours 2, il n'y a plus personne. Donc si les gens, ou je m'adresse à toi, si au oh, toi tu ne fais pas l'effort d'aller chercher la science au moins pour les fondamentaux, elle ne va pas venir cette science-là à toi tout seul. Tu ne fais pas l'effort, tu ne notes pas, tu n'écoutes pas, tu te, tu te fatigues, tu vas pratiquer ta religion n'importe comment et tu ne seras pas excusé par rapport aux erreurs que tu vas commettre par rapport à cela. C'est obligatoire. Hein quand il s'agit, il y en a on dit le code, le permis de conduire. Les gens, ils vont au code, ils passent leur code, ils apprennent les règles, ils apprennent les règles de conduite ensuite, on leur donne le permis ils peuvent conduire. Et pour digne, il y a beaucoup de feignantises. Ah, oh, c'est long le livre. Ah oui, 100 pages, c'est long. Mais par contre, ils ont avalé plus de 100 pages. Hein euh, en termes de, s'il fallait dire, euh, en termes de lecture, de, de stupidité sur les réseaux, beaucoup plus de 100 pages. Ah, ils en ont lu des bêtises. Mais c'est trop dur d'ouvrir un livre de Did et de lire 100 pages. Vous voyez, c'est shaitan, hein C'est shaitan, en vérité. On n'a aucune excuse. Wallahi, on n'a aucune excuse. Surtout pour cette science fondamentale. D'accord De même, ah, c'est tro trop long. On m'a déjà dit une série de 20 cours, 26 cours. C'était dans Khal Mufid, Leçon de Tawhid. Très belle série de cours. Très beau livre. Magnifique. Ça contient énormément d'enseignements riches. On m'a déjà dit une fois, c'est trop long, 26 cours. Ouais, mais c'est une personne qui par contre va être à l'école, dans la mixité, dans le haram, apprendre des, des heures et des heures et des heures et des heures de cours sur des sciences mondaines inutiles, voir haram. Ils font des études de droit. Étudier <laughs> le droit des couffards, c'est du couffre. Vous voyez ce que je veux dire Des heures et des heures de cours. Et pour ça, ils peuvent écrire, ils peuvent noter, ils peuvent écouter, ils peuvent lire. C'est du temps gâché. Mais écoutez, 26 heures de cours, c'est trop long. Il faut qu'on se pose des vraies questions. Car là, nous fasse, il faut qu'on se pose des vraies questions. Regardez un film de 3 heures. Tout le monde peut le faire. Écouter un Dars d'une heure et demie, c'est trop dur. On n'a aucune excuse. Je ne cherche pas à mettre mal à l'aise les gens, mais juste à réveiller. Et à dire, non, c'est vrai. Ayons l'honnêteté de reconnaître que Shaitan nous a eu et que notre nef s'est pourri. Il est faible, il est pervers et il faut qu'on se reprenne en main. Voilà, c'est la seule chose que je pourrais vous dire. Et on ne peut pas faire l'effort à la place des gens. Voilà, on, on dispense les cours, les livres sont écrits, nous on essaye de, de parler par-dessus pour faciliter aussi. On sait qu'il y en a qui ont du mal avec la lecture et ben on fait des cours audio. Voilà, comme ça on lit le livre. Et euh, peut-être qu'il y a des gens, c'est plus facile d'écouter. Ils sont en voiture, et aussi, même au travail, etc. Alhamdulillah, beaucoup d'abonnés à la chaîne me disaient que, au boulot, ils écoutaient. J'ai eu des routiers, des gens à l'usine, etc. Alhamdulillah, des, des mères de famille qui aussi euh, s'occupent des enfants, s'occupent du foyer, Alhamdulillah, font le ménage, ils font des ils écoutent des cours. Alhamdulillah, il y a toujours une solution pour celui qui veut écouter le rappel. Voilà. Quand je dis cahier stylo, il y a des gens, c'est vrai que c'est très scolaire. Ils mettent le cours, ils ont les écouteurs, ils sont là avec le stabilo, le cahier, le stylo. Alhamdulillah, c'est. Plus ample concentration, mais celui qui ne peut même pas se concentrer de cette manière-là, qui manque de temps. Comme un frère m'a dit, moi je parle le matin, je rentre le soir, je manque de temps, je suis dans des oeuvres, dans des choses, dans des ci, dans des ça. Je ne trouve pas le temps de me poser. Harry, on est en 2020, il y a les lames, il y a les écouteurs, il y a le Bluetooth, il y a ce que tu veux, tu peux écouter un cours. En voiture, à pied, en faisant autre chose, tu peux écouter. Mais ce qu'on ne veut, c'est ça. C'est ça. Quand on nous facilite. Bref. Donc je disais, il a dit au oh serviteur d'Allah, tu as été créé pour l'adoration d'Allah. Et on l'a vu, hein, et rien d'autre. Et il t'a été ordonné de l'accomplir de la bonne manière, cette adoration-là, telle qu'Allah l'a légiféré, la conformité. Ceci ne peut s'obtenir que par l'aide d'Allah, bien sûr, puis, par la recherche de la compréhension de la religion. C'est évident ce qu'il dit, c'est évident. Tu peux être sincère dans ton adoration, et beaucoup de gens, je les crois sincères, mais ils manquent de science. Ils agissent n'importe comment. Hein? Parfois même, ils veulent agir en bien, ils pêchent. Ou ils font de la bida'a, Ou ils font du shirk. Mais ils disent, j'ai la bonne intention, je voulais adorer Allah. Oui. Allah t'a ordonné de l'adorer. Mais pas comme tu le veux, de la bonne manière. Tel qu'Allah l'a légiféré. Comment tu veux adorer Allah tel qu'il a légiféré les choses Azogel, si tu n'as pas recherché la compréhension de la religion, de la science, tu n'as pas les tenants et les aboutissants. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est comme j'avais déjà réprimandé sur ce sujet. On va dire que je réprimande beaucoup, mais voilà. Quand on voit des sœurs dire s'engager dans l'humanitaire, faire des maraudes, aller dans des associations, ah, ça plaît à Allah, la sadaqa, et nourrir les gens, et na, mettre au service de la communauté, ma soeur, ma sœur, ma sœur, sœur calme-toi, pose-toi, ce n'est pas ta place. Tu es hors de ton foyer, pas voilé correctement. Certaines mêmes apprennent même pas à l'heure et entourées d'hommes. Comment veux-tu Comment veux-tu Tu es dans le haram, tu es dans le péché, regarde. Elles manquent de science. Elles suivent leur passion. Mais elles veulent faire un bien. Ça, on n'en doute pas. Hein. Des sœurs qui partent le matin, qui rentrent le soir, qui veulent se mettre au service des autres. Mais ce ne sont pas à leur place. Ah, ces sœurs là c'est pas la place d'une femme, ça. Elle aurait été plus utile dans son foyer à prendre de la science, justement. Et à, si elle n'est pas mariée, à se réformer en préparation d'un mariage. Ou si elle est mariée, à satisfaire son mari. Et, et prendre soin de ses enfants et de son foyer. Qu'elle prie dans son foyer Non, elle est dehors voit... Aujourd'hui, les sœurs, elles veulent faire des choses, soi-disant au service de la communauté. Mais elles tombent dans le haram. Par quoi Par manque de science. Par manque de science. Et c'est pas un acharnement, quand on dit ça. C'est juste, c'est une, une réalité. Ce n'est pas légiféré. C'est de la poussière, en fait. Pire que ça, c'est des péchés, même. Imaginez. Qu'est-ce qu'il y a de pire que de, de vrai en vain, mais d'œuvrer dans le péché Tu penses vrai en bien, tu te lèves, tu y vas, tu te mets de l'énergie... Et en fait, tu prends des vounous. Subhanallah. Combien sont tombés dans la fitna, notamment, je dis même par rapport à ces histoires d'associations, hein, voulant se rapprocher d'Allah, soi-disant, mais sans conformité, et sont tombés au final dans la fitna. Y a des gens, ils sont partis dans des associations, hein, ils voulaient faire du bien, soi-disant, et ils ont rencontré bah, le sexe opposé, justement, dans, dans, dans le cadre de ces associations, ces maraudes, ils ont fini dans la zina, la fornication. Mashallah. Mashallah. Où est le bien Où est le bien donc, tu as été créé pour l'adoration. Allah t'ordonne de l'accomplir d'une bonne manière, telle qu'il l'a légiférée, et ceci s'obtient par Tandim, la recherche de la science, la compréhension religieuse, le fiqh. Il est donc obligatoire d'élucider à toute personne responsable de leurs actions, c'est-à-dire les gens mukallaf, d'un point de vue islamique, d'apprendre ces affaires, qu'il n'est pas permis d'ignorer. On souligne hein, il n'est pas permis d'ignorer certaines choses, pour l'homme comme pour la femme. Ceci afin qu'ils puissent s'enquérir de leurs obligations et de ce qu'Allah leur a interdit, de sorte qu'ils puissent accomplir ce qu'Allah leur a rendu obligatoire, donc notamment le fait d'unifier Allah, le tawhid, apprendre le tawhid, c'est une chose obligatoire, l'oudro, le salat, les règles du jeûne, etc. Et puis aussi les péchés, c'est le halal, le haram, le wajib, etc. Donc accomplir ce qu'Allah leur a rendu obligatoire, correctement et avec clairvoyance. Correctement et avec clairvoyance et aussi afin que la personne puisse s'éloigner de ce qu'Allah a interdit. Et le faisant aussi avec clairvoyance. Beaucoup de gens tombent dans des choses on leur dit eh, ça c'est haram, ça c'est une bid'ah, ah, je savais pas. Tu dois le savoir, on le redit nul n'est censé ignorer les lois d'Allah. Tu n'as pas à ignorer cette chose-là à moins réellement que tu n'aies pas été mis au courant de cette chose-là. Tu as été privé d'une science, d'un accès à une chose que tu ne savais pas. Un un, un nouveau converti puisqu'on dit un guide complet pour les nouveaux musulmans. Un converti qui ne sait pas, admettons, hein, Réellement, il ne le savait pas que le porc il est haram. Mais vraiment, il ne le savait vraiment pas. Il n'a jamais lu ça nulle part. Il ne le sait pas. Il l'ignore. C'est son premier jour de conversion. Il mange un morceau de porc. Tu lui dis Ah, c'est haram. Il te dit Eh, ouais Il te dit Ça, c'est vrai Vraiment, il dit là, il crache le morceau de porc. Il est excusé. Parce qu'il a mangé. Il ne savait pas, mais que c'était haram. Vous voyez Mais il y a celui qui laisse passer le temps et qui ne s'intéresse pas aux choses haram. Dès qu'on dit Allez, c'est un cours sur le haram, justement, ces choses-là sont haram, ils il y a un livre qui va traiter des interdits d'Allah, il zappe, non, non je ne veux pas savoir ce qui est interdit. Non, non Je ne veux pas écouter, je ne veux pas savoir. Ou même on lui dit, non, je non, n'ai non, pas envie, je suis mes passions. Là, c'est pas pareil. Là, s'il tombe dans le haram, celui-là, il est dans le péché. La différence, est celui qui ne savait réellement pas et qui même a commis un shirk. Hein, a commis un shirk, mais il cherche la science. Alors il est miséricordieux pour celui qui est sincère et fait les efforts de recherche de science. Alors là, il est miséricordieux que tu aies fait un coufre, un shirk, un péché, une bid'a, tu ne savais réellement pas. Tout en faisant les efforts pour ôter ton ignorance, alors tu es excusé. Comment Comment la te châtier au-delà de ta capacité C'est impossible. Seulement, il faut faire des efforts. Pour justement s'éloigner de ce qui est interdit. Et le chir conclut dit voilà ce qui est obligatoire pour tout un chacun. Là. Et cher chirsolia al-Fawzan rajoute fait partie des types de sciences, ce qui est obligatoire à tout musulman d'apprendre de façon individuelle et dont l'ignorance ne peut être excusée. Connaître les points sans lesquels la religion du serviteur ne peut être correcte, tel que ce qui est lié à la raqida, c'est-à-dire la croyance, la croyance authentique. Les règles de la salat, l'acquittement de la zakat, euh, le jeûne, le hajj, etc. Par conséquent, ce domaine de science, ou cette partie de la science, pourrait dire, doit être parfaitement connu pour tout musulman. Parfaitement connu. Et nul n'est excusé d'en être ignorant. Il en est ainsi car la religion d'un individu ne peut être conforme sans cela. Ton islam ne tient sur rien si tu ne connais pas les règles de croyance, les règles de la prière, l'acquittement de la zakette, le jeûne, le hajj, c'est impossible. Et ô combien de musulmans, d'où l'importance de cette série de cours, ô combien de musulmans ignorent tout, ne serait que la base des bases, des bases, des bases, avant même la prière Oui, oui, frère, sœur, avant même la prière, les règles de la croyance la l'arqidah, le tawhid, les bases, les bases du tawhid et de la sunna Sans lesquelles l'islam ne tient pas. Beaucoup de gens se et musulmans, ne connaissent rien des fondements de leur religion. C'est terrible. C'est une maladie immense, un fléau dans cette communauté. Et pourtant, très répandu, très répandu. Et les gens ne s'inquiètent pas de cela. Pourquoi Parce qu'on en est arrivé à un islam de façade. C'est salamou alikoum, alikoum salam. Id ma barak, la famille va bien, la baisse, ça va. Oh, on est musulmans, c'est l'essentiel. Al le mouton était bon. Hein, mashallah. Excusez-moi, je ne dénigre pas la chose qui est le sacrifice du mouton, mais on s'en fiche du mouton. Quand je dis on s'en fiche du mouton, ce n'est pas encore une fois pour abaisser l'acte d'adoration, de faire que. ouais, il y en a ils ignorent tout du théorique, mais Mashallah, chaque année, ils égorgent un mouton. Ça sert à rien. C'est une sunna fortement recommandée. Ça sert à rien d'égorger un mouton et de faire une souna et des Mashallah, C'est culturel pour beaucoup. Ça sert strictement à rien si tu ignores les bases du ride Si tu fais du chir, tu prononces du chir, tu fais du coufre, tu prononces du coufre. Tu es dans la bidah. Tu pries comme un soufi. Comprenez. Tu connais même pas les règles de ton jeûne. quitté même pas tes zakat. Mais, masha'Allah, parce qu'encore une fois, je dis l'islam se résume pour beaucoup. C'est culturel, là. Salam alaikum. Wa alaikum salam. On fait l'aïd, le mouton il était bon. Khalas. C'est dur ce que je dis, mais c'est réel. C'est un islam traditionnel. En fait, c'est des restes d'islam, des ancêtres, repris par toute une génération de gens qui ne se sont pas penchés sur l'apprentissage de la science, tout simplement. Ils sont restés dans quelque chose de très culturel, mais non pas culturel. Vous connaissez la différence entre le culte et la culture cultuel, Culturel, culturel. C'est culturel, l'islam, pour beaucoup, mais ce n'est pas culturel. Hein si on interroge dans la rue des hommes musulmans, au sujet de la harpéda, vous serez très étonné. Allez, faites-le. Les frères, faites-le. Les sœurs, faites-le. C'est-à-dire, les hommes vont voir les hommes, les femmes vont voir les femmes. Que la femme musulmane, soudnie, avertie sur son din, aille voir les femmes de sa communauté, pour enseigner notamment, hein, et, et fasse, euh, Yanni, une sorte de sondage. Et qu'est-ce que tu connais du théorie Quels sont les types de théories Et que peux-tu me dire de l'unification uni, dans Et Vous allez voir. C'est pas pour dénigrer, c'est pas pour abaisser, vous allez voir. L'ignorance flagrante et latente dans la communauté des hommes, pareil. Allez Allez demander à un frère comme ça, lambda dans la rue, énonce-moi les règles du jeûne. Quels sont les interdits hein Naham. Quelles sont les permissions C'est terrible Ne même pas savoir. Qu'est-ce qui, Yanni, coupe ton jeûne Qu'est-ce qui est permis Les mêmes questions chaque année. Et ça, on a le droit. Et Chir, et Imam, et... C'est si... pas... Tu dois le savoir, mon frère, ma sœur. Converti ou pas la prière, c'est pareil. Plein d'erreurs dans la prière. Pourtant, c'est central. Cinq fois par jour. Non. La définition, avant même ça, la définition de La ilahilallah. Allez demander dans la rue. Allez à la mosquée. Quelle est la définition succincte, hein bref, de La illa allah Que peux-tu me dire de La illa allah Parle-moi du tawhid. Pendant dix minutes. Ah, je vous dis, parler de foot pendant dix minutes, de voiture, de télé-réalité. De rap, de vacances, de dunya, de, de travail. Ça aussi, beaucoup les frères à la mosquée. Le travail, l'argent, hein, bien, hein, alhamdoulilah. J'ai monté une société, machallah Je fais ci, si, je fais les marchés maintenant. Ah, machallah Parle-moi un quart d'heure du théoride. J'attends, j'écoute. Quinze minutes. Théoride, machallah La ilaha Mais encore. machallah Allah akbar. <laughs> C'est tout. C'est terrible. C'est terrible. Et on pourrait croire que je suis méchant encore une fois. C'est juste une réalité terrible. C'est tout ce que je dis. C'est terrible. C'est terrible. nous a eu. Alors qu'on est censé on ne pas ignorer ces choses-là. On est censé ne pas ignorer ces choses-là. Choses très, très importantes. Écoutez le schier, ce qu'il dit à la fin. Il en est ainsi car la religion d'un individu ne peut être conforme sans cela. Mais très peu de musulmans, finalement, ont une religion conforme. À cause de leur ignorance sur les, les fondamentaux. Ils connaissent beaucoup de choses dans, dans Dunya, ils s'intéressent à beaucoup de choses, sont actifs dans beaucoup de choses. Dans les fondements de la religion, faites le test, je vous dis, de vous-même, allez demander, ou peut-être vous l'avez déjà vu, les gens ont survolé complètement la religion, sont restés sur quelque chose de très, très simpliste, et en fait, c'est en surface, en fait. Oui, voyez, on prie ensemble, on, on fait est une communauté, on s'aide, on se fait le sourire, tout ça, mais c'est pas ça l'islam, en fait. L'islam, c'est un dogme, en fait. C'est un socle. Qu'il est ce socle Il est ilallah. Mohammed al Oui. Tous les musulmans connaissent cette phrase. Je pense qu'il n'y a pas un seul musulman qui ignore cette phrase-là, du moins dans la prononciation. Qu'est-ce que ça signifie Autre que... Hein, Nulle divinité ne mérite d'être adorée si ce n'est Allah et Mohammed et son messager. Mais ça veut dire quoi Et ça implique quoi voilà. Tant que les musulmans, je dis ça à l'échelle mondiale, ne seront pas revenus à une attache de cela, une compréhension profonde et tout ce que ça implique, et je ne peux pas ici faire dans ce cours, euh, euh, un résumé euh, complet de, de tout ce que ça implique. On va le voir euh, cours après cours. Et puis, il faut revenir à d'autres séries de cours aussi. Tant que les musulmans ne seront pas revenus à cela, on n'avancera pas. Ni en France, ni, euh, ni les Ouïghours, ni les Palestiniens, ni les Maliens, ni ceux que vous voulez, ni partout dans le monde. Nulle part. Ni en Algérie, ni nulle part. Nulle part. L'ignorance amène quoi Les péchés. Ouais, comme disait Ibn Qayyim al, al jawziyah al alayhi, c'est terrible l'ignorance. C'est terrible, parce que ça mène au chirque, ça mène au couffre, ça mène au péché, ça mène aux innovations. Ça mène à un certain nombre d'égarements. Tous plus graves et manifestes les uns que les autres, frère, ça. C'est terrible, l'ignorance. C'est un fléau, le gel. Et ça se soigne comment? Vous le savez maintenant. Comment soigne l'ignorance? Avec la science. <laughs> L'apprentissage. Et chaque jour. Chaque jour, un peu. Chaque jour, tu apprends un petit peu. Et alors, tu facilites à apprendre un peu plus. Il faut faire l'effort. J'espère qu'avec cette série de cours-là, je vous donne l'envie de faire l'effort. Ne serait-ce qu'avoir le déclic, incha'Allah ou ta'ala. Chapitre 2 est bouclé. Chapitre 3. Hein, l'importance, justement, hein, c'est bien enchaîné, l'importance de la aqidah. Et on terminera ce cours, inshallah avec ce chapitre. L'importance de la aqidah, de la croyance. La raqida c'est-à-dire la croyance authentique, la croyance correcte. Sache, ô musulmans, que la première chose qui t'importe est l'apprentissage de la correcte. Je mets un arrêt directement ici au milieu de la phrase. Ah, avant toute chose. Wallahi, avant l'arabe, avant la salat, avant l'apprentissage la du Coran. On voit aujourd'hui aussi. Des gens, ils ont mémorisé une partie du Coran, voire tout le Coran. Ils ont un arabe impeccable. Tu les interroges sur l'aqida ou elle ou zéro. C'est pas normal. Mieux vaut mourir avec une aqida correcte et ne pas savoir prononcer un seul mot d'arabe, même si c'est une lacune. Naam. J'ai dit Naam. Mieux vaut être totalement non-arabophone avec une aqida soignée, correcte, pointilleuse en français même. Oui, en russe, ce que vous voulez. Mais vous mourir comme ça que être arabophone mais avoir des bidas immondes et du chargh dans la croyance. Et beaucoup de musulmans ont pu se tourner sur des choses secondaires effectivement. Oui, que, mais secondaires. L'apprentissage du Coran, c'est secondaire par rapport à, à l'apprentissage de la aqida, très clairement. Maintenant celui qui a la Aqidah correct, correcte, mashallah et la tacha la sunna, mashallah. Et il a l'arabe, et il a le Coran, et mashallah, et plus plus. Mais la base des bases, ce qui est dit ici, la première chose qui t'importe, il n'a pas été dit l'apprentissage du Coran, ni de l'arabe, pas du tout. L'apprentissage de l'Arqida correct, la croyance islamique correcte. Et en tête de l'Arqida se trouvent les sujets relatifs aux théorides et aux piliers de l'Islam, euh, de l'iman, excusez-moi, aux piliers de la foi. Les piliers de la foi et les sujets relatifs aux théorides, qui seront les sujets des deux prochains chapitres. Les sujets, les catégories de ce sera le chapitre 4 et le chapitre 5, les piliers de l'Iman, de la foi. C'est la base des bases. Tu commences à apprendre Din, c'est ça. On voit, non, il faut que je fasse un programme. Tu connais pas une école d'arabe, on me dit souvent, tu connais pas une école où on va apprendre le Coran. C'est pas comme ça qu'on apprend l'islam. L'arabe, le Coran, bien sûr, bien entendu. On ne veut pas éloigner les gens de ces choses-là. D'abord la D'abord l'apprentissage de la croyance correcte. Le reste ensuite. Tawhid, Awalen. C'est clair ouais, bah. Cher Sol et al parle de ce sujet important. Je cite Je conseille aux jeunes et aux autres parmi les musulmans de donner une grande importance à la en premier lieu et avant toute chose. Car la Aqidah est la fondation sur laquelle sont érigées les actions et par laquelle elles sont acceptées ou rejetées. C'est très important ce qu'il dit ici. Ta Aqidah, c'est ton socle. Tu as un socle ferme sur lequel tu peux bâtir des actions qui seront, Inch'Allah, acceptées ou bien ton socle, il est percé en fait. Une école, elle est percée. Quoi que tu mettes dedans, ça finit toujours par couler. Il n'en reste rien. Celui qui n'a aqida défaillante agit en vain en réalité. Même s'il a tout le Coran. Cher Fauzan lui-même, d'ailleurs, a bien dit « Au combien de gens » écoutez cette phrase. « Au combien de gens ont mémorisé le Coran mais sont plus bêtes que des ânes ?» C'est violent ou pas ?« Au combien de gens ont mémorisé le Coran ?» T'en vois aujourd'hui des musulmans comme ça il lui, il est pieux, il a de la science. Quelle science Il a appris le Coran comme un perroquet. <laughs> il n'a il a rien du tout de croyance. Il n'est pas ferme. Ce pas un mouahid. C'était un perroquet. Cher Fosain, il a dit, il est plus bête que des ânes. C'est n'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Non. Donc, la raqida, c'est la fondation sur, lesquelles sont, euh, sur laquelle pardon, sont érigées les actions. Lorsque la raqida, est saine, est correcte et en accord avec ce que les messagers ont apporté, et tout particulièrement le sceau d'entre eux, Mohammed, Ibn Abdillah, et alors le reste des actions seront acceptées. Et je dis même si elles sont minimes. Une bonne aqidah, un bon tawhid, même avec des péchés et peu d'actions, Alhamdulillah, comme dit Ibn Taymiyyah, c'est préférable à beaucoup de bonnes actions et peu de péchés, mais avec ou tawhid. Ça c'est clair. Si la croyance est correcte et saine, les actions seront acceptées. À condition, bien sûr, qu'au cas par cas, elle soit accompli pour la recherche sincère du visage d'Allah ou Avoir une croyance correcte ne signifie, pas que, ne signifie pas que forcément tu ne vas jamais faire d'ostentation ou de chiffre dans ta vie. Ça, c'est notre histoire. Connaître la croyance authentique n'exclut pas de tomber dans la faute, dans l'erreur. Attention. T'es pas sauvé. Mais tu as, on va dire, le manuel. Tu as le bon manuel pour bien agir dans ta vie. Parce que ta croyance, elle est saine. Tu démarres bien, on va dire. Voilà. Et aussi en accord avec ce qu'Allah, bien sûr, et son messager ont légiféré. On l'a vu, le mutabba'a, al-ikhlas wal Ça, on sera toujours dans cette lutte tout au long de notre vie. Est-ce que mon action, elle est légiférée Est-ce qu'elle est en accord avec ce qu'Allah et son messager hein ont on, on, on validé ou on ordonné Ou pas Ouais. Et avant cela, est-ce que je suis sincère dans mon action Ouais. Ça, on sera toujours en lutte pour être sincère et être conforme. Mais déjà, est-ce que la croyance est correcte Avant même de se poser ces questions-là d'acceptation de l'œuvre, est-ce qu'on est déjà sur une croyance authentique peu le sont. Je dis peu le sont. Très peu de musulmans, malheureusement, le sont. Parce que les croyances achariées, parce que les croyances soufis, etc., ont gangréné littéralement cette communauté. Aujourd'hui, majoritairement, ce n'est pas la croyance soudnie, traditionnaliste, originale, finalement, la croyance saine des salafistes salaires qui prédomine dans la communauté musulmane. Très clairement pas. Soit en France, soit au Moyen-Orient, soit en Afrique. Voilà. D'où l'importance des prêcheurs de la sonna. Ils jouent un rôle très important. De réfutation du faux et d'enseignement du bien, notamment dans les fondements, ce qui est attrait donc à la rakeda authentique. On se doit de propager cette chose-là. Ce n'est pas peine perdue. C'est essentiel. Ça vaut plus que tout l'or du monde. Lila. Donc le reste des actions seront acceptées, si bien sûr elles sont sincères et conformes, si la croyance est saine. Cependant, dit le Shir, voilà qu'il lorsque la Arcida est corrompue ou déviante, parce qu'elle se fonde sur des traditions, j'en parlais, ou sur le suivi aveugle des ancêtres, ou des pseudo-chouyours et des un, hein comme on voit aussi beaucoup, hein? J'écoute ce que dit le Shir, j'écoute ce que dit un ancêtre, et mon grand-père c'est comme ci, et chez nous, c'est comme ça. Lisa, chez nous en Algérie, c'est comme ça. Il y a un récemment comme ça. Une soeur, je crois, qui me dit On m'a dit que tous les vendredis, à fortiori le jour du Eid, faut que j'aille voir ma mère sur la tonge je lui parle, elle m'entend en ce moment-là. Allah akbar, qui a dit ça Nulle part. C'est en soufis, ça. Mais en Algérie, ils font comme ça. Où est en Algérie, ils font comme ça Comprenez Au Pérou, on s'en fout. En Algérie, ils font comme ça. C'est quoi ça C'est un ça c'est pas un din. les gens font. Mon grand-père fait. Le chier, il a dit. Le dalil. C'est une mauvaise croyance de penser que les morts entendent. Ils sont dans le barzakh, le monde intermédiaire entre dunya et el dans le monde de la tombe. Ils n'entendent rien et ils ne peuvent pas être utiles pour toi, puisqu'ils ne peuvent plus être utiles pour eux-mêmes. Mais ça fait partie de la croyance. Je vous enseignais un point donc, cette personne-là, cette pauvre femme, cette pauvre soeur, elle va s'épuiser. En plus, ça l'attriste. À aller le vendredi, à fortiori le jour du elle pleurer sur la tombe de sa mère en lui parlant, en espérant qu'elle lui parle. Qu'elle l'entende, qu plutôt. Et là, après, il n'y a qu'un pas à aller demander quelque chose aux morts. Là, c'est carrément, là, ça y est, c'est faire doha aux morts. C'est shirk. Vous imaginez De la bida, on passe au shirk. Et ça, c'est quoi Les traditions. Le suivi aveugle des ancêtres. Voilà. Donc, si la croyance, elle est corrompue ou déviante. Parce qu'elles se fondent sur des traditions, sur le taqlid, le suivi aveugle des ancêtres, ou parce que cette arqeda comporte du shirk, le fait d'associer des partenaires à Allah, c'est aussi très répandu, alors ces actions seront complètement rejetées, et aucune d'entre elles ne sera acceptée, même si elles ont été accomplies sincèrement et pour la recherche du visage d'Allah. Il y a des gens qui sont très sincères, je vous le dis très très sincères. Très sincères. Rien, ni les larmes sont sincères, l'effort est sincère, ils s'usent. Un déviante déviant qui s'use dans le vent, en vérité. Dans le vent. Bien sûr, celui qui n'est pas sincère n'a pas à se fatiguer. Évidemment, c'est un hypocrite. Mais celui qui est déviant sur sa arkheda se fatigue aussi pour rien, malheureusement. Il en est ainsi car Allah n'accepte aucune action, sauf si elle est faite sincèrement, pour la recherche de son noble visage, par bien sûr, ainsi que dans le suivi de la sunnah de son messager, sallallahu et la arkheda correcte fait partie du suivi de la sunnah de son messager. Sallallahu alayhi Donc quiconque souhaite que son âme soit sauvée et que ses œuvres soient acceptées, et qui souhaite être un vrai musulman, c'est intéressant ce que note le chir ici, il dit un vrai musulman. Qu'on pourrait dire aujourd'hui, il y a des faux musulmans, et des vrais musulmans. À la base, on aurait dit un, être un musulman tout court. Mais il est obligé de préciser aujourd'hui, un vrai musulman. Un vrai mouahid. Puisque énormément de gens se revendiquent musulmans, mais non même pas la aqidah. Donc, celui-là, il doit alors par conséquence donner de l'importance à la harqida. La croyance. Cela s'atteint par la connaissance de la croyance saine et correcte et la connaissance de ce qui la nullifie, la nulle quoi, et la contredit. Afin que chacun puisse établir ses actions sur cette base. Donc tu as ta croyance saine en toi, puis tu agis ensuite. Et tu rapportes tout à cette chose-là. Et tu n'es plus dupe. Les gens parlent, les gens font, dans cette société, tes proches, dans les médias... Tu n'es pas atteint par ces choses-là, les superstitions, les dictons, les les propos, les habitudes, les traditions. Tu as, comme on dit, je disais souvent, un, un scanner. Tu détectes, ça c'est coufle ça c'est shirk, ça c'est une bilard dans notre din Parce que quoi Tu as cette croyance saine. Tu entends quelqu'un parler, tu dis ta parole n'est pas correcte, tu fais Et pourquoi Parce que ça, tu vois, c'est rapporté à du shirk. Par exemple, dire, hein un exemple, c'est très répandu dans la communauté. Oui, euh... Le, le, le destin, le, le qadar, le mektoub, le destin a voulu que, le destin les a réunis. Le destin c'est une créature, il n'a rien fait du tout. <laughs> il ne bouge pas, le destin, sans l'ordre d'Allah. Allah a voulu que, Vous comprenez, Point de croyance, tout simplement, comme je disais tout à l'heure, cette femme qui, malheureusement, allait pleurer sur la tombe de sa mère et allait lui parler. Non, non, c'est faux ça. Donc, avec cette croyance saine, non seulement tu vas agir en bien en ayant cette base, mais tu ne seras pas perturbé. Par les ambiguïtés qui circulent ou le n'importe quoi qui circule un peu partout. Dehors, sur Internet, je dis n'importe où. Et ceci ne peut s'acquérir que par l'apprentissage auprès des gens de science et des individus dotés de clairvoyance qui l'ont appris eux-mêmes des salaf. Et on parlera de qui étaient les salafs, salafs les pieux prédécesseurs dans un chapitre à venir. D'accord Les salaf. donc, qui sont les salafs J'en parle ici brièvement, je ne peux pas m'en empêcher. C'est les compagnons. Les salafs sont les compagnons de base, ceux qui ont suivi le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et salafi, quand on dit salafi, c'est suivre les salafs. Ça, le i rajouté, salafi, qui s'affilie aux salafs. Comme c'est le français. Elmar le marocain. Djazerin, le, l'algérien. Salafi, c'est pas que c'est un salaf. et y en a ils disent des fois, oui, eux, c'est des salafs. Non, peut pas être des salafs. <laughs> salafi, simplement. Qui suit les salafs. C'est ça un salafi. Alors nous, on n'a pas suivi les compagnons directement, mais on les suit dans leurs propos et on suit ceux qui les ont suivis. On suit, à l'heure actuelle, là, <coughs> en ce jour, les savants qui nous ont transmis des dourous et des livres qu'on a sous les yeux. Ces savants-là, qui eux-mêmes ont suivi d'autres savants et d'autres savants et d'autres savants et d'autres savants, et on remonte jusqu'au temps de l'imam Ahmed, l'imam Malik. Hein, pour les plus connus, les quatre imams, Abu Hanifa, Malik, Shafi'i ou Ahmed, et eux-mêmes ont suivi des Tabi'in, des descendants de compagnons, qui, forcément, étaient rattachés aux compagnons, qui, eux-mêmes, radiallahu anhu, étaient affiliés et rapprochés du bien-aimé Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que c'est clair pour vous Et les salaf à la base, c'est les compagnons. Et tous ceux qui ont suivi dans le bien, c'est ça, les, les pieux prédécesseurs. Et on peut dire aussi qu'une un, personne même de notre temps, et notre salaf, on peut le dire. Un salaf, c'est un prédécesseur dans la définition mère. Un salaf, d'ailleurs, même, je rentre dans la définition, mais un salaf, ça peut être aussi quelqu'un de complètement égaré. Hein c'est pour ça qu'on précise, salaf, c'est les pieux prédécesseurs. Ton père, qui peut être un kafir, un mécréant, et pervers, et même qui combat l'islam, admettons, c'est ton salaf, c'est ton prédécesseur quand même. Ça reste un ascendant, vous comprenez Un salaf, c'est un ascendant. Après, si c'est un pieux prédécesseur, bah, les savants. Cher et il n'est pas considéré, il est, il est considéré parmi les savants contemporains, mais c'est notre salaf, notre prédécesseur. Il a parlé avant nous sur la religion, et il l'a enseigné avant nous, vous comprenez. C'est un grand savant. J'ai arrêté mine, normalement là pour ne citer que lui, hein. Mais quand on cible précisément les au salih, c'est cette génération et des compagnons et des Tabi'in, Tabi, tabi, tabi c'est pieux prédécesseurs, les premiers en fait, euh, les premiers euh, à avoir baigné dans l'islam authentique. Voilà, et avoir propagé la science authentique. C'est ça, les salaf. Donc, quand on dit que la science ne peut s'acquérir que par l'apprentissage auprès des gens de science et des individus dotés de clairvoyance qui l'ont appris auprès des salaf, c'est pas forcément directement, parce qu'on peut pas faire un bond de 1200 ou 1000 ans en arrière. C'est pas des gens qui ont été en contact direct avec eux. Mais je le répète, euh, ce sont des gens de science, des gens, comme il dit ici, individus dotés de clairvoyance, des gens qui ont une bonne compréhension de la religion, qui l'ont appris auprès des salaf. Il euh, y a un de cette Ummah, comme il dit, dans le sens où ils ont été reliés à eux à travers les livres, notamment dans les écrits, etc. Un savant qui reliait un autre savant, qui reliait Ibn Taymiyyah, qui reliait Si, qui reliait Ibn Qayyim, qui reliait Al-Imam Ahmed, qui reliait Ibn Masoud, qui reliait Abi Bakr, vous voyez, qui reliait Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est une chaîne, en fait. Voilà. Voilà comment on peut être encore relié aux salaf de nos jours, en s'attachant aux savants qui les ont suivis dans le bien. Allah Azza dit à son prophète sallallahu alayhi wa dans sourate mohammed, au verset 19 « Sache donc qu'en vérité, il n'y a point de divinité digne d'être atorée à part Allah et implore le pardon pour ton péché. Il lui dit « Fa'alem ennahu la ilahi allah wa astaghfir li Fa'alem. »« Sache. »« Fa'alem ennahu la ilahi allah Sache qu'en vérité, la ilahi Allah, Il lui a pas dit simplement « La ilahi allah dit il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. Il lui a dit Sache, apprends en vérité. Apprends, sache, c'est apprends. Fa'alam, c'est sur la base du ilm. Et alam, alam, non Donc, d'où l'importance d'apprendre. Allah a même dit à son messager d'apprendre, de chercher à connaître les il Allah. Que dire de nous On ne peut pas se contenter de dire les il puisqu Allah, puisqu'Allah. A ordonné à son prophète de savoir, d'apprendre ce qu'il en était de il Allah. Que dire de nous On doit apprendre. Imam al-Bukhari, Rahmullah, a mis en tête de son chapitre dans son livre euh, babul son, son chapitre La science, qawli amal". et ensuite il a cité la wa Chapitre La connaissance précède la parole et l'action. autrement formulé, comme c'est souvent cité en français, la science avant. La parole et les actes. La science avant la parole et les actes. Tu ne peux pas agir ni parler en bien fait sans science. C'est impossible. Parce que tu n'as pas la science infuse. Tu né dénué de savoir. Tout comme moi, tout comme lui, tout comme elle. Non Donc la connaissance précède la parole et l'acte. Comparé aux autres domaines de connaissance et d'action, la science islamique est similaire aux fondations d'un bâtiment ou aux racines d'un arbre. C'est bien imagé. Hein La science islamique, c'est les fondations du bâtiment ou les racines d'un arbre. Tout comme le bâtiment ne peut tenir que grâce à une fondation ferme, et l'arbre ne peut se tenir que grâce à ses racines aussi fermement ancrées, les actes d'une personne et sa connaissance ne lui seront bénéfiques que s'ils sont établis sur une croyance correcte. Tu as une croyance correcte, tu agis, ça porte ses fruits. Tu as une croyance défaillante. Tes actions ne seront en aucun cas bénéfiques. Se focaliser sur les sujets de la croyance est donc prioritaire sur toute autre affaire, telle que la nourriture, la boisson, les vêtements. Euh, on s'en fiche, car c'est à travers cette croyance correcte que le croyant vit une vie authentiquement heureuse. Celui qui a un taux riz sain dans le cœur vivra heureux, même s'il a t'es preuve. Peu importe, il vivra une vie heureuse, même s'il lui manque certaines choses. Le vrai bonheur, c'est à travers. Yannick... Un l'apprentissage, l'acquisition, je dirais, parce qu'une fois qu'elle est ancrée dans ton cœur, on peut dire qu'entre guillemets, c'est un acquis, même si toujours, on peut dire qu'on peut dévier, car qu'Allah nous préserve de la déviation, mais on espère que ce soit un acquis, Inshallah et qu'Allah nous raffermisse, c'est cet acquis, entre guillemets, qui rendra ton âme réellement heureuse. Les gens, sinon, sont heureux, mais entre guillemets, heureux avec de la dunya, heureux avec du haram, heureux avec des choses mondaines, heureux avec diverses choses, mais ils ne sont pas réellement heureux. C'est un bonheur illusoire et éphémère. C'est de la passion, de l'illusion, j'insiste à ce sujet. Ici, le Shir, il dit c'est au travers de la croyance correcte que le croyant vit une vie authentiquement heureuse. Et son âme devient pure, ses actions sont conformes, ses actes d'adoration sont acceptés, et il est élevé en degré auprès d'Allah, le puissant et le majestueux. À travers la base de cette croyance correcte. Celui qui n'a pas la croyance correcte, même s'il aurait toute cette dounia là, c'est un bonheur illusoire. Tôt ou tard, il se réveillera. Avant même la mort. Il y a des gens qui finissent en dépression, qui se rendent compte finalement que tout ça ne les a pas rendus heureux. Ils sombrent. Ils sombrent. Alors certains croyants sont très éprouvés, ont eu énormément de soucis dans leur vie. On sait quand Allah aime une créature, il l'éprouve. Et pour autant, ils ont une poitrine apaisée et ils sont raffermis. Et on le sait maintenant à cause de quoi Grâce à quoi plutôt bi là, bien sûr, cette croyance. Cette croyance saine. Cependant. Si la croyance est erronée, corrompue ou absente, ils connaissent même rien du tout. Il y en a, ils sont corrompus, ils ont appris d'autres choses. Il y en a, ils n'ont rien appris du tout. Presque ils ne croient en rien, on pourrait dire. Ils n'ont aucune croyance, même pas mauvaise. Alors ceci aura un effet contraire sur toutes ces affaires et sur toutes ces actions. Par conséquent, une croyance corrompue est à l'origine de la destruction d'une personne dans ses actions et ses manières, et ceci le rabaisse et le détruit. Cheikhulislam Taibyar Alarmouda il a dit Par ailleurs, on attend de ceux qui sont en opposition avec les gens du Hadith autrement appelés les salafis, al-hadith, aussi appelés les salafis, ceux qui sont en opposition donc, avec les gens de la sunna, on attend d'eux qu'ils aient des actes corrompus, hein, que ce soit dû à une croyance malsaine ou à une hypocrisie ou à une maladie dans le cœur, une faiblesse de foi, une passion, c'est clair. L'abandon des obligations, il poursuit la transgression des limites légiférées, donc le fait de s'adonner au péché, hein, très clairement, et le fait d'abandonner ce qui est obligatoire. Deux exemples, hein, l'abandon des obligations, la personne ne va pas prier, et, personne qui a une mauvaise croyance va pas prier, va pas donner d'importance à la prière, tout en se revendiquant à un musulman. Dans la personne, bien sûr, attention. La transgression des limites légiférées, bah, la zina, aujourd'hui, c'est très répandu à notre époque, la fornication, etc., le riba, est ce que vous voulez. Le mépris pour les droits ordonnés, et la dureté du cœur, c'est une chose commune parmi eux, parmi ces gens ayant une mauvaise croyance. Ceci étant visible de tous. Plusieurs de leurs chouïours sont accusés de transgressions graves. Et là, je pense qu'il fait référence aux soufis. J'ai déjà fait une série de cours en réfutation du soufisme. Ces gens qui se prétendent être l'élite de la communauté musulmane, euh, juste revenez à cette série de cours, quand vous aurez terminé celle-ci, vous allez voir le degré d'égarement des soufis et des pseudo chouyours soufis dans la perversité, ils étaient très loin Dû à quoi une mauvaise croyance de base. Si la croyance est saine, donc ça fin de citation pour ce que dit euh, Taimia. Si la croyance est saine et ferme et s'appuie sur le livre d'Allah et la sunna de son messager, a contrario, alors l'individu sera sur la droiture, car la base de la piété de la droiture est présente en lui, comme l'a dit Allah dans Surat Ibrahim au verset 24, dans le sens N'as-tu pas vu comment Allah propose en parabole une bonne parole pareille à un bel arbre dont la racine est ferme et la ramure s'élançant dans le ciel Donc, ce bel arbre dont la racine est ferme, c'est l'arbre du Tawhid. La ramure qui s'élance dans le ciel, Allah, c'est une œuvre. Qui de base puise son énergie, sa force dans le théoride. Allah a donc établi une similitude entre les bases de la foi et ses fondations, qui constituent la croyance, en fait, et les racines sur lesquelles s'appuie l'arbre. Ainsi, si la racine est solide, alors cet arbre sera proche de l'état de perfection dans sa croissance, dans son développement également, et le goût délicieux de ses fruits. Tout ceci dépendant de la justesse de ses fondations. Shirul Islam ou dit également là, pour ce qui est des gens de la sunna et du hadith, il n'a jamais été rapporté qu'un de leurs savants ou de leurs pieux parmi la masse n'ait renoncé à sa doctrine ou à sa croyance. Ils furent au contraire ceux qui se montrèrent le plus patient, quand bien même ils furent testés par tout type d'épreuves et éprouvés par toutes sortes de difficultés. » Fin de citation. Sahir. Hein. « Quand bien même un musulman soumis aurait eu des tentations, des péchés, il revient, il se repent. Quand bien même il aurait eu des faiblesses dans sa foi et dans ses actions, il revient, il agit. Il patiente, quand bien même il serait très fortement éprouvé et aurait connu beaucoup de difficultés, il ne lâche pas. Il ne lâche pas. Il peut mettre un genou à terre, mais jamais il ne s'écroule, jamais il n'abandonne sa doctrine, son dogme, sa fondation, sa croyance. Comparez maintenant ceci avec les incertitudes de ceux qui s'adonnent à la rhétorique théologique, les Kalam, hein, les gens de la, de la dialectique, les gens de la philosophie en vérité dont font partie les soufis, la charite, etc. Ibn Taymiyya il rapporte également, et on terminera là-dessus sur son Majmour al-Fatawa, ceux qui basent leur religion sur la rhétorique théologique, c'est une expression peut-être un peu compliquée, hein. rhétorique théologique, la rhétorique c'est euh, l'art de, de parler, et la théologie, euh, très clairement, kalam, c'est ouais, l'art de parler, hein, de philosopher, etc. Le blabla, en langage familier, le blabla, le blabla, la philosophie, les conjectures, etc. Ceux qui basent leur religion sur cela sont ceux qui hésitent le plus, oscillant d'une doctrine à une autre. Ils changent de voix, changent de dogme, changent de croyance, mêlent les croyances même. Les soufis, on sait, ils ont de l'hindouisme du bouddhisme, du christianisme, de l'athéisme, du coufre, tout ça. Hein une belle soupe, enfin belle, c'est évidemment ironique, une belle soupe de shirk et de coufre, très clairement. Et ils aussi, comme ça, d'une croyance à une autre, j'en rajoute même, voire ils les mélangent. On les voit être persuadés d'une chose à un moment pour être ensuite persuadés de son opposé à un autre moment. Allah Akbar. Ils ne sont pas fermes. Ils changent de bord. Hein comme les feuilles au vent. Comme dit Scherfhausen, si tu es fermement accroché aux théories de la sunna, tu as une croyance authentique, tu seras ferme. Mais si tu es faible dans cela, tu seras comme une feuille au vent. André, les ambiguïtés te parviendront de toutes parts et tu ne seras plus au donné de la tête. Tu crois tout et n'importe quoi. Donc, et à un moment, ils croient une chose, sont persuadés, à un autre moment, persuadés de l'opposer. Et ils déclarent mécréants ceux qui affirment... Euh, ceux qui affirment. Quand il dit ceux qui affirment, vous comprenez dans le contexte ceux qui affirment notamment les noms et attributs d'Allah. Hein ils disent que ce sont des cofards, parce qu'ils n'ont rien compris à ce type de théorie. Le théorie de l'ASMA aussi fait, le fait de reconnaître, quand il fait ici mention de l'affirmation, chez Islam Taimia, il parle de l'affirmation l'affirmation pardon des, des noms et attributs d'Allah notamment des attributs qui ont été reniés par ces gens-là complètement égarés ils concluent et disent ceci est une preuve de leur incertitude ils ne le savent pas hein donc on sait que l'affirmation au contraire donc de la négation est une obligation dans la croyance des gens de la Sunna concernant les noms et attributs d'Allah et ce sont les koufars ceux qui les nient au contraire et non pas ceux qui les affirment fin de citation voilà pour ces chapitres, donc sur l'obligation de rechercher la science, et, là, et, et sur l'importance de la aqida, correct. correcte. Chapitres 2 et 3, on reprendra une au prochain cours. Chapitre 4, le Taurid et ses différentes catégories, les deux-trois catégories. Certains savants aussi en ont classifié une quatrième. tauride et Mutab, à conformité à la Sunna, mais la plupart du temps, on en cite trois. Tawhid, al-Rububiya, al-Uluhiya, asma Tawhid de la seigneurie, j'expliquerai en détail, de l'adoration et des noms et attributs. Ça, c'est le chapitre 4. Ensuite, le chapitre 5, on parlera de quelques manifestations du shirk, ce péché ignoble, l'association. Et ensuite, on passera au résumé des piliers de l'islam et de l'hymen, de la foi, etc. Qu'Allah nous le facilite. Wallah, subhanahu wa ta'ala, a'lam. وأحكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته